Il y a Fatimatou Diallo, madame. Elle a Lou Bari. Mamadou Bari Loba. Safia Tissot. Mamadou Yaya Diallo. Mamadou Bari. Abdelhamane Diallo. Kadiatou Bari. Thierry Amadou Diallo. Ousmane Diallo. Ça, ce sont les cas qui disparaissent de l'homme que nous avons pour ces personnes-là. Nous prions très respectueusement de leur allouer 2 milliards de francs. Chaque personne. Pour les cas de viol et exaction sexuelle, et tout ce qui est assimilé là, c'est un peu difficile de parler de viol. Ça fait mal. Pour ces cas de viol là, nous sollicitons très respectueusement que votre tribunal accorde pour chaque personne 1 500 millions de francs. 1 500 millions de francs. Il s'agit de 1 million. Maïmouna Sidibé. Mariam Boboba. Fatoumata Bari. Pour ces personnes-là, elles sont quatre à notre niveau en tout cas. Nous souhaitons quand même. Mais on ne peut pas retarder, c'est pour soulager. Quand on casse un œil de quelqu'un, on ne peut pas réparer, on peut vous donner de l'argent, mais on ne peut pas réparer une vie. Pour les cas de torture, une autre catégorie de souffrance, de torture, de séquestration, d'arrestation et de détention illégale. Pour les cas de torture, de séquestration, d'arrestation et de détention illégale, là aussi, nous sollicitons très respectueusement, Monsieur le Président, quand le Président dira que j'ai trouvé les mêmes. 1 500 000. Il s'agit de Diallo Mamadou Diallo, ils sont deux, Diallo Mamadou Diallo et Mamadou Chérif Bari. Parce qu'il ne faut pas accuser pour accuser les deux, car là on a le cas de torture et autres. Maintenant, pour le dernier cas, ce sont les blessés. Les blessés qui ont déjà amputé, balles de mort, fracturés, etc. Parce que on ne peut pas les passer. Il s'agit, là, on demande 1 milliard pour chaque personne. 1 milliard pour chaque personne. 1 milliard pour chaque personne. Il s'agit de Mamadou Boboba. Et là, Elhadji Boubari, Alpha Bakar Diallo, Mamadou Bari, Salimatou Bari, Fadima Bari, Mamadou Bar, Moussa Bella Bari, Kenoma Dissou, Mamadou Sari Diallo, Mamadou Bina Dissou, Abdelrahman Diallo, Mamadou Ali Balde, Mamadou Balde, Ibrahima Khalil Ba, Moussa Sow, Malik Bari, Abdul Karim Sow, Thierry Souleymane Diallo, Abdul Kadir Diallo, Abdoulaye Bari, Thierry Abdul Malik Balde, Alpha Mahmoud Diallo, Tena Abou Matlami Balde, Mamad Tal Besso, Boubacar Bari, Lamisso, Makissa Bangoura, Mamad Chérif Bari, Tena Mamad Diallo, Ousmane Diallo et Amadou Ba. Ça, ce sont les blessés. N'empêche, ce que j'ai dit ici, comme c'est enregistré, peut-être on peut communiquer ça à moi pour faciliter pour qu'on connaisse les vrais noms. Nous demandons également, Monsieur le Président, 20 milliards de francs guinéens à titre de dommage. 20 milliards de francs guinéens à titre de dommage. Ensuite, 1 million d'astreintes par jour.
lui donne 4 lettres par jour s'il y a une condamnation. Bien. Nous prions aussi, c'est de devoir donner l'application des intérêts de vos oratoires. L'application des intérêts de vos moratoires. Et également, nous sollicitons l'exécution provisoire de la décision qui interviendra pour les intérêts civils. Bien. Maintenant, toute ma plaidoirie, je vais citer les textes que j'ai utilisés, du statut de Rome jusqu'aux intérêts de Pau, etc. Bien, mais pourquoi toutes les débats, tous les modes de fait et de droit soulevés, présentés ici, monsieur le président, monsieur le assesseur, c'est sur la base du préambule 20, et pas du statut de Rome. Les articles 1, 5, 7, 11, 15, 20, 21, 20, 77 et 126 du statut de Rome. 7 juillet 1980, portant création de la Cour pénale internationale. Ça, c'est le statut. L'article 9 du Code civil de 1980. L'article 9 du Code civil de 1980. Bien, maintenant pour le Code de procédure pénale. Le code de procédure pénale, l'article 1, 4, 542 et suivant, 535, alinéa 1, 2 et 3. 535, alinéa 1, 2, 3. 556. Donc, pour le code de procédure pénale, les preuves, tout ce que nous avons demandé, c'est la base. Mais là, aussi, il y a le code civil de 2019. Pour le code civil de 2019, concernant la fraude, il y a les articles 12, 14 et suivants. C'est-à-dire 1214 et suivants. 1214 et suivants. 1122 et suivants. 1131 et suivants. Du code civil du 4 juillet 2000. Ça, c'est le procès. Concernant la loi sur les intérêts légaux, on a visé l'article 1 et 6, c'est une loi de 1992, pour les intérêts légaux moratoires. Pour les frais et dépenses, les articles 741 et suivants, 563 et suivants, du code de procédure civile, économique et administratif. Nous l'appelons communément CPCEA. Monsieur le Président, nous avons visé aussi l'article 1 du mémorandum du 28 septembre 2020, signé entre la République de Guinée et le bureau du procureur.
Voilà les bases légales.